Goethe, Les souffrances du jeune Werther. 4 mai. Comme je suis joyeux d'être parti. Cher ami, qu'est-ce que le cœur de l'homme? Te quitter, toi qui m'es si cher, toi dont j'étais inséparable, et sentir de la joie. Je sais que tu me le pardonnes. Mes autres relations n'étaient-elles pas choisies par le sort tout exprès pour tourmenter un cœur comme le mien? Pauvre Éléonore. Et pourtant, ce n'était pas ma faute. En pouvais-je davantage? Si tandis que la grâce piquante de sa sœur me procurait un agréable amusement, une passion se développait dans son pauvre cœur? Et pourtant, suis-je tout à fait sans reproche? N'ai-je pas nourri ses sentiments? Ne me suis-je pas même amusé de ce naïf langage de la navre qui si souvent nous faisait rire, si peu risible qu'il fût? N'ai-je pas... Oh, qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il ose se plaindre? Je veux, cher ami, je le promets, je veux me corriger. Je ne veux plus, comme je l'ai toujours fait, ruminer le moindre mal que le sort nous envoie. Je veux jouir du présent, et le passé sera pour moi le passé. Assurément, tu as raison, cher ami. Il y aura ici-bas moins de souffrance si les hommes, Dieu sait pourquoi ils sont ainsi faits, ne s'appliquaient pas avec tant d'efforts d'imagination à rappeler le souvenir des douleurs passées au lieu de supporter un présent tolérable. Veuille dire à ma mère que je m'occuperai de son affaire avec le plus grand soin et que je lui en donnerai des nouvelles au premier jour. J'ai vu ma tante et je n'ai pas trouvé en elle, tant s'en faut, la méchante femme que l'on disait chez nous. Elle est vive, emportée, mais d'un cœur excellent. Je lui ai exposé les griefs de ma mère sur cette part d'héritage qu'elle retient. Et elle m'a dit ses raisons, ses motifs et ses conditions auxquelles elle serait prête à livrer tout, et plus que nous ne demandions. Bref, je ne veux rien t'en écrire aujourd'hui. Dis à ma mère que tout ira bien. J'ai pu voir une fois de plus, mon cher ami, dans cette petite affaire, que les malentendus et la nonchalance causent dans le monde plus de querelles, peut-être que la ruse et la méchanceté, qui du moins sont certainement plus rares. Du reste, je me trouve fort bien ici. La solitude est pour mon âme un baume précieux dans ce paradis terrestre, et cette saison de la jeunesse échauffe de tous ses feux mon cœur qui souvent frissonne. Chaque arbre, chaque buisson est un bouquet de fleurs, et l'on voudrait devenir une abeille pour voltiger dans cette atmosphère embaumée et y puiser toute sa nourriture. La ville, par elle-même, est désagréable, mais dans les environs, la nature est d'une inexprimable beauté. C'est ce qui avait engagé le feu comte de M à établir son jardin sur une des collines qui se croisent dans une diversité charmante et forment les plus agréables vallons. Le jardin est simple et l'on aperçoit dès l'entrée que le plan n'en a pas été dessiné par un jardinier savant, mais par un homme sensible qui voulait y jouir de lui-même. J'ai déjà donné plus d'une larme à sa mémoire dans le petit pavillon en ruine qui était sa place favorite et qui est aussi la mienne. Je serai bientôt le maître du jardin. Après une couple de jours, le jardinier m'est déjà dévoué. Il ne s'en trouvera pas mal.